Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ravi de vous accueillir aujourd'hui sur Race Room avec la mise à jour de décembre qui a été déployée hier. On va se retrouver pour une course de 5 tours sur le circuit de Spa avec la petite dernière, la Porsche 934 Turbo RSR. Et on a pris un départ dans le noyau dur du peloton avec, comme nouveauté dans cette mise à jour, au-delà de cette Porsche, eh bien, la possibilité de créer des courses IA multiclasse. Ça y est, enfin, ce que l'on attendait depuis si longtemps sur Race Room est disponible. Alors, je vous commente en même temps que je roule ce run. Alors, il y a beaucoup de monde du côté de la source. Je crois qu'on est une cinquantaine de voitures ou une soixantaine en piste. Et il y a 35 Porsche 934. Pourquoi ? Eh bien parce que cette voiture est livrée dans Race Room au prix de 3,98€, hein, comme beaucoup de nouvelles voitures indépendantes. Il y a la création de la nouvelle classe Group 4 qui comporte uniquement une voiture, celle-ci. Et ce modèle est décliné en 40 livrées absolument magnifiques. Un travail formidable de la part de Race Room. Alors, des livrées officielles comme les Jagermeister, les Momo, les grosses décos Martini. Il y a beaucoup de références, mais aussi des livrées inspirées d'autres sponsors que l'on ne peut pas avoir dans Race Room. En tout cas, 40 skins, c'est quand même assez hallucinant pour cette Porsche qui pourrait disposer de sa propre compétition presque, de sa propre cup. Alors c'est la première d'une série de 3 Porsche qui devront arriver d'ici les prochaines semaines dans Race Room. Alors on peut espérer dans ces nouvelles voitures des modèles comme la 919 Evo en LMP1. Ce serait intéressant de voir une hybride arriver. Je pense qu'on peut s'attendre aussi à une nouvelle Group 5, la catégorie qui dispose actuellement de la Fab Car, la version non officielle de cette Porsche Group 5. En tout cas, il y a eu refonte de pas mal de petites choses, des nouveaux logos dans les catégories, le multiclasse comme je vous le disais, et cette Porsche dont je vous teste pour la première fois le comportement. Je la découvre avec vous, hein, donc autant vous dire que pour l'instant, bien, je tartine, hein, de bon matin, hein, pour le tournage de cette vidéo. Alors on va essayer de ne pas se planter. Alors vous avez sans doute vu, hein, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, cette Porsche qui glisse sur le circuit de Spa-Francorchamps avec quasiment les 4 roues dans le rayon. On voit souvent ça, hein, lors d'épreuves comme le Spa classique organisé par Peter Otto. Et bien ici on est au volant d'une voiture qui se veut être très très joueuse, que ça soit sur l'accélération ou sur le freinage. On a des sensations vraiment incroyables. Allez, sortie de la source, on aurait pu en mettre en première parce que là on va se faire complètement lâché. Ah, il faut apprendre le turbo, j'ai pas encore l'habitude avec cette voiture. Alors clairement 3,98€ pour une voiture dans Race Room, ça reste un tarif correct. On a frôlé la mort au pied du raidillon littéralement. Il y a une voiture qui s'est loupée, donc ça aide pas mal à revenir dans le peloton. On a profité un petit peu des drapeaux jaunes, pas d'objectif de performance, juste découvrir la voiture. Je vous ai mis ce peloton chargé d'autres Porsche pour vous montrer un petit peu les différentes livrées en vue télévisée. On va, comme d'habitude au montage, alterner entre l'une et l'autre vue pour vous donner un aperçu global d'une voiture qui, ma foi, semble pour l'instant très réussie. Alors, particularité de cette course, nous sommes donc avec une IA qui est au niveau 100 pour voir un peu ce que cela donne. Et une voiture qui, sans assistance, en mode Get Real, n'est pas très très simple à prendre en main. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une voiture à l'ancienne. Oh, hop là, répartition de freinage un petit peu hasardeuse. Oula, 63, peut-être se calmer un petit peu sur le train avant. C'est vrai qu'en relance, en deuxième avec le turbo, il faut le temps que ça vienne donner le coup de pied aux fesses en sortie de virage. Alors, le flat 6 de cette Porsche est un moteur 3 litres de 485 chevaux. Elle pèse avec le pilote 1 tonne 190, voiture de 1976. Et on est évidemment avec le TSS Handbrake de chez Thrustmaster, histoire de se donner un petit côté boîte à palettes enlevée évidemment avec ce modèle à l'ancienne. J'ai toujours été fan des boîtes en séquentiel, même avec une voiture qui ici a une boîte à crabeaux en H. Voilà, vous n'allez pas m'en vouloir de rouler avec ce mode là, ça n'enlève en rien le plaisir de conduite. En tout cas, parlons un petit peu de cette voiture, parce que pour l'instant j'en ai dit beaucoup de Race Room, mais pas beaucoup de la voiture en elle-même.
Alors c'est un modèle qui était attendu par pas mal de monde. Pourquoi ? Parce qu'on se rappelle des belles heures sur GT Légende avec cette voiture. Et y a un petit côté quand même, retour à l'ancienne. On peut pas omettre le côté nostalgique de cette voiture. En tout cas pour ceux qui ont joué à l'époque à GT Légende sur PC. C'est là que Race Room fait très fort, parce qu'ils parviennent, malgré que ce soit Sector 3 Studios qui s'occupe maintenant du jeu, à ramener ce petit côté Madeleine de Proust sur ces voitures que l'on a connues. Hop là, il y a une petite quinzaine d'années. Et que oui, effectivement, ça nous ramène, peut-être pas 15 ans, mais une bonne dizaine d'années en arrière. Et ça fait vraiment plaisir aux yeux et surtout aux oreilles. Une nouvelle fois, Race Room a fait très très fort sur cette Porsche. Le son du Flat 6 est tout simplement somptueux. Je vous laisserai en profiter un peu plus dans la suite de cette course. On va encore discuter un peu ensemble, je ne vous embête pas longtemps. Après, je vous laisserai profiter de la voiture. Parlons du comportement de cette Porsche qui se retrouve être l'une des seules voitures à vraiment être joueuse dans Race Room du train arrière. On a beaucoup de traction, beaucoup de touring car, beaucoup de GT. Ici, on a quelque chose qui a l'air d'être un petit peu plus jovial, à l'image de la NSUTT par exemple, ou du DTM 92. On retrouve un petit peu cette sensation du groupe A de l'époque des voitures de tourisme des années 90 dans Race Room. Hein, pas vraiment par rapport à ce qui étaient les voitures de l'époque, hein, ne vous méprenez pas. Et on a ici une nouvelle catégorie qui peut à part entière exister pour des compétitions, même e-sport. Hein, je pense qu'un petit championnat sur cette coupe avec 40 voitures différentes, il y a de quoi faire. Elle est très très joueuse. Un train arrière incertain, un train avant cauchemardesque à mettre en entrée de virage dans la bonne trajectoire. Il faut vraiment y aller comme il faut. On bloque les roues avec le répartiteur de frein d'origine parce que c'est un peu compliqué au train avant au niveau du poids. Tout est à l'arrière avec le moteur, bien sûr. Et surtout si vous roulez avec peu de carburant, ce qui est mon cas ici en désactivant le carburant. Voiture qui donc va vous obliger à bien gérer la température de vos pneumatiques si vous ne voulez pas vous retrouver tout de suite sur de la glace ou du verglas. Mais dès que vous freinez, vous avez cette glissade du train arrière comme si la voiture se mettait à danser sur les vibreurs. Et c'est vraiment une sensation géniale. On peut maîtriser cette voiture. Il faut un petit peu d'adaptation. Vous voyez, je galère encore un petit peu dans certains enchaînements. Il faut dire que le café du matin a encore du mal à faire son effet. Mais globalement, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une voiture qui vaut son prix. Clairement, ne fût-ce que le ratio plaisir. Hop là, plaisir et exercice de conduite. Vous voyez, je tartine un petit peu dans tous les sens sur la section de Blanchimont. C'est génial. Franchement, c'est une très très bonne surprise qu'on n'attendait pas forcément. Hein. Bon, nous on avait un peu l'info en dessous, mais on ne savait pas quand est-ce que vraiment cette mise à jour a été proposée. Et ce qui est intéressant, c'est que le teaser de cette nouvelle Porsche a été fait via le son du moteur une nouvelle fois. Et tout le monde disait, ah, c'est une vieille voiture de tourisme, c'est une Groupe 5, la nouvelle Groupe 5 qui va remplacer la Fab Car pour Porsche. Et finalement c'est celle-ci qui a montré le bout de son nez. Certains avaient espéré longtemps une Porsche 956 ou 962 peut-être mise à disposition des joueurs. Et l'arrivée du Groupe C, peut-être, on espère, on prie que Race Room nous amène cette voiture du Groupe C que l'on rêve d'avoir évidemment dans le jeu. Et pourquoi pas ouvrir de nouvelles catégories historiques à Race Room pour 2019. En tout cas, ce que je vous propose, c'est que pour l'instant, on reste sur la vue intérieure et extérieure de cette voiture, que je me taise et que vous profitez de ce magnifique Flat 6 de 3 litres.
Ah, mais cette danse dans le raidillon est tout simplement, c'est génial. Quel pied que cette Porsche 934. Franchement, si vous avez un petit peu de sous de côté, comme on dit, sur, sur Race Room, n'hésitez pas à vous procurer cette voiture parce que sincèrement, ça sur la Nordschleife, ça peut tellement être le pied. Sincèrement, là on est sur du, comme on dit, du très très lourd. Ah, c'est un must have, comme on dit, must have en devenir de Race Room, clairement. Très très sympa. Alors maintenant, le groupe 4 va-t-il prendre de l'ampleur? Va-t-on avoir droit à d'autres modèles? Eh bien, c'est tout ce qu'on espère, en espérant que ce ne soit pas un one shot à l'image des dernières voitures sorties dans la catégorie TC DTM par Race Room, avec les Mercedes qui étaient mises à disposition des compétiteurs e-sport pour les 30 ans de la présence de la marque en DTM. On espère que cette Porsche ne sera pas simplement perdue, même si les 40 skins sont faits évidemment pour faire vivre la catégorie de cette Porsche en autonomie. C'est vrai que 40 modèles différents, c'est largement de quoi s'amuser. En multiclasse, on avait quelques groupes 5 qui étaient au départ et des GTO au départ de cette course. Elles ont filé tout simplement, elles ont déjà terminé la course. Voilà pourquoi il y a tant d'écart entre notre Porsche et le reste du peloton. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure cette vidéo. En tout cas, je vous invite grandement à acheter cette voiture sans vous poser trop de questions, franchement, parce qu'elle est vraiment très très agréable à piloter. Une expérience proche, comme je le disais, de ce que propose le DTM. Un mélange entre, on va dire, le DTM 92 et le groupe 5, hein, entre les deux, niveau bestialité de la machine, mais quel pied, quel plaisir sur un circuit comme Laguna Seca, ça doit être très très fun par exemple. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte de la Porsche 934 RSR de 1976. Rendez-vous dans les commentaires pour de nouvelles aventures et rendez-vous bientôt en vidéo pour la suite du programme. Et à la prochaine, salut !